Bonjour, bienvenue sur NatProf et bienvenue au cours d'italien. Dans cette vidéo, nous allons voir l'alphabet italien et puis nous allons voir des fonctions communicatives de base, c'est-à-dire des petites phrases qui nous permettront d'interagir en italien tout de suite. Commençons par l'alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z. Je répète. A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, ou bien vous, Z. Comme vous avez pu remarquer, l'alphabet italien ne compte que 21 lettres. Or, ça veut dire que les lettres suivantes que vous voyez à l'écran ne font pas partie de l'alphabet italien. Ce sont des lettres étrangères, lettere straniere, qui ne s'utilisent que pour écrire des mots qui ne sont pas assimilés au vocabulaire italien, c'est-à-dire des mots d'origine étrangère. Ces lettres, le nom de ces lettres en italien est le suivant. Ilunga, Kappa, W, Y, qu'on peut dire aussi Y, X. Donc, je répète, ces lettres ne font pas partie de l'alphabet italien, ne s'utilisent pas pour écrire des mots italiens d'origine italienne. Par contre, on les utilise pour écrire des mots pas assimilés en italien et des mots étrangères, comme par exemple judo, karaté, kiwi, etc. Donc, du coup, les mots italiens qui font partie de l'alphabet italien, on l'écrit avec les lettres italiennes. C'est le cas, par exemple, de psychologia, esposizione, exposition, etymologia, giungla, jungle, vagone, caleidoscopio. Maintenant que nous avons vu l'alphabet italien, passons à un petit exercice de lecture de lettres. Essayez de lire rapidement les lettres suivantes. Leggere velocemente le seguenti lettere. B, F, G, C, S, T, H, P, I lunga, E, W, C, D, Y ou bien Y, Z, Q, R, U, X, G, I lunga, M, C, H, N, L, I, U, Y ou bien Y, Z. Et puis le symbole at en italien, ça s'appelle chiocciola. Chiocciola. Maintenant que nous avons vu l'alphabet italien, passons aux fonctions communicatives de base, c'est-à-dire à des petites phrases pour parler en italien tout de suite. Avant de commencer, il faut dire que, tout comme en français, en italien, on peut se tutoyer, darsi del tu, ou bien on peut se vouvoyer, c'est-à-dire darsi del lei. La différence, c'est que par rapport au français, l'italien utilise dans la forme de politesse la troisième personne. Donc on ne dit pas vous, mais on dit elle. C'est un peu comme en italien si on parlait d'une femme absente. On utilise la troisième personne. La même forme en français, vous l'avez quand, par exemple, vous dites « Madame a appelé »,« Madame est servie », »,« Monsieur demande quelque chose », etc. Commençons. Pour attirer l'attention, je peux dire « Scusa » avec le tutoiement, « Scusi » avec le vouvoiement. Donc « Scusa » pour quelqu'un que je tutoie, « Scusi » si je m'adresse à quelqu'un que je vouvoie. Si je ne comprends pas, se non capisco, je peux dire scusa, non ho capito, excuse-moi, je n'ai pas compris, scusa, non ho capito. Si je vous vois la personne, je dois dire scusi, non ho capito, excusez-moi, je n'ai pas compris, scusi, non ho capito. Pour faire répéter mon interlocuteur, per far ripetere il mio interlocutore, je peux dire puoi ripetere, per favore, peux-tu répéter, s'il te plaît. Puoi ripetere, per favore.
Si je le vouvoie, je dois dire può ripetere, per favore. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Può ripetere, per favore. Pour connaître la signification d'un mot, per conoscere il significato di una parola, je peux dire che cosa vuol dire, et puis je mets le mot que je n'ai pas compris. Che vuol dire, ou bien che significa, che cosa significa, et puis je mets le mot que je n'ai pas compris. Par exemple, poi. Che significa poi? Poi, ça veut dire ensuite. Per avere la traduzione d'un mot, par exemple église, per avere la traduzione di église, je peux dire come si dice église in italiano? Come on dit église en italien? Come si dice église in italiano? Pour savoir comment ça s'écrit, per sapere come si scrive, je peux dire come si scrive chiesa? Come on écrit église? Come si scrive chiesa? Pour connaître la prononciation d'un mot, per conoscere la pronuncia di una parola, je peux dire come si pronuncia questa parola? Come on prononce ce mot? Come si pronuncia questa parola? Si mon interlocuteur parle trop vite, se il mio interlocutore parla troppo velocemente, je peux lui dire scusa, puoi parlare più lentamente? Excuse-moi, pardon, tu peux parler plus lentement? Scusa, puoi parlare più lentamente? Si je le vouvoie, je dois dire scusi, può parlare più lentamente? Excusez-moi, pouvez-vous parler plus lentement? Si mon interlocuteur parle trop bas, se il mio interlocutore parla troppo piano, troppo basso, je peux dire scusa, puoi parlare più forte? Excuse-moi, tu peux parler plus fort? Scusa, puoi parlare più forte? Si je le vouvoie, je dois dire scusi, può parlare più forte? Excusez-moi, pouvez-vous parler plus fort? Scusi, può parlare più forte? Et voilà, voilà, ce cours d'italien avec l'alphabet et les fonctions communicatives de base est terminé. Je vous remercie beaucoup, vi ringrazio molto, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui sera sur les présentations. Grazie tante, et ciao ciao, à presto!